Alors que les actions de confiscation de chaises saisies dans les agences des banques impliquées dans la fraude fiscale se poursuivent, nous nous sommes rendus le 15 octobre dernier à une conférence sur l'évasion fiscale organisée par le député européen EELV, Pascal Durand. Nous vous en avons déjà parlé la semaine dernière, mais nous voulions cette semaine vous donner une petite leçon d'optimisation fiscale en suivant l'intervention de Manon Aubry de l'association Oxfam France. Elle nous explique comment passer à travers les mailles du filet de l'administration fiscale française pour se faire un maximum de bénéfices au détriment de la solidarité et au service des injustices sociales. Et donc je voulais un petit peu vous donner un exemple concret de comment fonctionne l'évasion fiscale en pratique et vous donner la recette du max condamné. Il y a trois étapes qui sont assez simples. La première, c'est mettre en place des restaurants franchisés et demander à ces restaurants de payer une redevance à une autre filiale. Mac Europe Franchising, elle a fait 880 millions de bénéfices en 2013 et 3,7 milliards de bénéfices entre 2009 et 2013, le tout pour 13 employés. Et cette filiale, devinez où elle est localisée ? Au Luxembourg. Au Luxembourg, il y a ce qu'on appelle une patent box, qui est censée encourager l'innovation, qui est en pratique utilisée comme une niche fiscale. En d'autres termes, tout est breveté, donc y compris la recette de l'hamburger McDo. Et ce brevet est déposé au Luxembourg, et au Luxembourg, l'entreprise est exonérée à 80% de ses bénéfices. Et si McDo s'est dit à ce moment-là, ah bah c'est encore trop, on pense que McDonald's a négocié un fameux tax ruling avec l'administration luxembourgeoise, cet accord passé entre McDo et l'administration pour diminuer d'autant plus sa facture fiscale. Et donc on a au final une facture divisée par 12. Bravo, on est devenu les chefs de l'évasion fiscale et on a réussi à faire diminuer le taux d'imposition effectif de McDonald's à 1,4%. Ça fait 1,5 milliard de pertes fiscales en tout, dont 713 millions en France de 2009 à 2013. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, le taux d'imposition des entreprises en France est de 33,3%.